Car toi seul es Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul es Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, tu es assis sur le trône. Oui, toi seul es Dieu, oui, toi seul es Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul es Dieu, dans les bons temps ou dans les mauvais temps, tu restes assis sur ton trône. Oui, toi seul es Dieu, car toi seul es Dieu, bien avant tous les temps. Oh, assis sur le trône. Oui, toi seul es Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, tu restes assis. Toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Oh oui, tu es assis, assis, assis. Oh, 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 dans les bons ou dans les mauvais temps. Oh yes, tu restes assis sur. Dieu, toi seul règne, toi seul règne, toi seul règne. Peu importe ce que je traverse, tu règnes, tu restes Dieu. Peu importe ce que je peux traverser, tu restes Dieu, tu restes Dieu, tu restes Dieu. Ça ne change pas ta sainteté. Ah, la vallée de l'ombre de la mort que je traverse ne change en rien le fait que tu sois Dieu. Ne change en rien ta position, ne change en rien ta sainteté, ta royauté. Tu restes Dieu, tu restes celui que nous louons, celui que nous adorons, celui que nous adorons. Alléluia, tu es digne.
que tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu mérites notre louange, notre adoration, Seigneur. Alléluia. Tu en es digne.
je t'élève, Seigneur. Tu es digne de mon adoration. Tu en es digne de mon adoration. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. You deserve it. 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 You deserve, you deserve, you deserve. Tu es digne de ma louange, digne de ma louange, tu es digne, digne de ma louange, Jésus. Oh, louange, ça notre louange, digne de louange, toi seul es digne. Toi seul es digne. Toi seul es digne, Jésus. Toi seul es digne, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut tout simplement élever sa voix et rendre la gloire à Dieu cet après-midi? Est-ce que quelqu'un peut tout simplement élever sa voix et lui dire que Seigneur, tu es digne de louange. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir nos acclamations. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire. Personne d'autre est digne, Seigneur. Il n'y a que toi seul qui es digne. Toi qui es assis à la droite du Père. Toi qui règnes éternité en éternité. Toi qui es assis sur le trône élevé, élevé au-dessus de l'univers. Toi seul es digne. Toi qui sièges dans les hauteurs. Toi seul es digne. Toi qui as quitté le ciel pour descendre sur terre. Tu es digne de recevoir la louange et la gloire, Jésus. Nul n'est comparable à toi, nul ne peut être comme toi, nul ne peut s'égaler à toi. Oh, il n'y a pas de comme toi, il n'y a pas et il n'y aura pas, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu et tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être exalté. Toi seul es digne, Jésus. Personne d'autre est digne. Personne d'autre est digne. Oh, tu es mort et ressuscité d'entre les morts. Toi seul es digne. Toi seul es digne, lion de la tribu de Juda. L'homme de Galilée, pourquoi ne pas célébrer celui qui siège sur le trône élevé? Toi seul es digne de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire, d'à jamais, d'à jamais âge du règne. Tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si elle existait. Tu es digne de recevoir la louange et la gloire. Est-ce que quelqu'un peut tout simplement l'adorer? Est-ce que quelqu'un peut tout simplement élever sa voix? Adore-le maintenant par tes propres mots. Il est digne de recevoir la louange et l'honneur. Il est tellement grand, il est digne de recevoir la louange et l'honneur. Nul n'est comparable à lui. Il est inégalable. Il est incomparable. Il mérite d'être célébré, d'être honoré cet après-midi. Oh, par tes propres mots. Est-ce que tu peux tout simplement élever ta voix et lui dire, Seigneur, tu es digne de gloire. Tu es le seul Dieu. Tu es digne d'être honoré, d'être célébré. Tu es le seul Dieu qui a vaincu la mort. Tu es le seul Dieu qui a vaincu la mort. Le quatrième homme de la fournaise ardente, nous te louons parce que tu es digne d'être élevé. Nous te saluons, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. L'immensité de ta grandeur, mais montre que je ne. On y va tous ensemble, mais quand tu fasses lui, moi. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant.
que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur. Sont dans tes parvis, mon sauveur. Sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul le dis. De recevoir Jésus, de recevoir, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Oh, de recevoir, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne.
Tu es recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne. Personne d'autre est digne de recevoir louange, gloire. Toi seul es digne, Jésus, alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne. Toi seul es digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Voici ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Voici ma louange, toute ma Toute ma louange. Oui, voici ma louange. Toute ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. Je t'adore à jamais. Et tant que je t'adorerai à jamais. Non, je ne me tairai point, je ne me tairai point. Je t'adorerai à jamais. Et tant que je respire, je respire, je t'adore. Et je ne me tairai point. Oh, oh. Moi je t'adore. Je respire. Moi,
je l'adorerai, je le célébrerai, je le glorifierai, je le vanterai. Oui, tant que je respirerai, j'honorerai son nom. Je le célébrerai, je l'acclamerai. Alléluia, je l'honorerai tant que je respire. Tant que je respirerai, je le glorifierai, je le célébrerai. Oh, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que tout ce qui respire célèbre le roi. Que tout ce qui respire glorifie le Seigneur. Tant que je respirerai, mon souffle pour l'honneur du roi. Tant que je respirerai, je le célébrerai. 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 Il en est digne. Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite, mon Dieu, il le mérite. Tu le mérites, mon roi. Tu le mérites, tu le mérites. Oui, tu le mérites, tu en es digne. Tu mérites ça. Tu mérites la glorification. Tu mérites l'élévation. Tu mérites l'ovation. Tu mérites les acclamations. Tu mérites la célébration. Tu mérites l'adoration. Tu mérites cela. Tu le mérites. Quand je regarde le parcours de mon histoire, tu mérites que je t'acclame. Quand je regarde les moindres détails de ma vie, tu mérites que je t'acclame. Quand je regarde la vie de mes enfants, tu mérites que je t'acclame. Quand je regarde les années de cette église, les débuts de cette église, je ne peux que te bénir, je ne peux que te célébrer, je ne peux que te glorifier, je ne peux que te vanter, je ne peux que te chanter. Oui, tu en es digne. Alléluia. Mon Dieu est digne. Que je le célèbre, que je l'honore, que je le glorifie, que je le bénisse. Oh, tous les détails de ma vie, crie Alléluia. Chaque étape de mon histoire, crie Alléluia. Chaque détail de ma vie m'incite à te louer. Chaque détail de ma vie me pousse à te célébrer. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce, quelle grâce. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Je bénis ton nom et je te rends gloire, car je suis témoin de ta fidélité. Il y a du 7 ans déjà, Seigneur, que tu as commencé cette œuvre. Le soutien parfait, le pourvoyeur par excellence, les bâtisseurs de son église. Avec toi, nous pouvons dire comme David, nous ne manquerons de rien. Nous pouvons dire même quand nous passons par la vallée de l'ombre et de la mort, nous n'avons rien à craindre. Parce que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses en face de nos adversaires une table. Et nous pouvons dire, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et pendant toutes ces années, nous sommes témoins de ces choses. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment nous taire? Comment nous contenir? Comment nous retenir face à la grandeur, à l'immensité de ta grandeur? Nous manquons de mots. Nos phrases ne te conviennent pas. Tu mérites plus que ça. Nos acclamations ne te conviennent. Tu mérites plus que ça. Mais Seigneur, nous sommes humains. C'est ce que nous pouvons te faire. On
moins agrée-le et accepte-le. Parce que c'est l'expression de notre reconnaissance. C'est l'expression de notre louange. C'est pour nous une façon de te dire merci. C'est pour nous une façon de te dire que nous t'aimons. C'est pour nous une façon de te dire que tu vaux plus que tout. Tu comptes plus que tout. Oui, Seigneur. Merci. Merci. Nous n'avons que ça. Et c'est ça que nous pouvons t'offrir. Reçois-le et accepte-le. Et que cela réjouisse ton cœur. Car ça vient du fond de nos cœurs. Bénis ta parole dans nos cœurs. Pour ta gloire, nous disons tous Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans notre second culte. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce, pour son amour, pour sa bonté. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver après une semaine. Je ne sais comment vous avez passé votre semaine, mais qu'importe. Ce qui est merveilleux, ce qui est extraordinaire, c'est de nous retrouver là. Et ça, c'est le témoignage de la fidélité de Dieu. Que vous soyez là, que nous soyons là. Et vous aussi qui êtes connectés, c'est une grande joie pour nous de vous savoir aussi nombreux connectés pour partager ces cultes avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez-le que vous réjouissez notre cœur, mais encore plus celui du Seigneur. Et nous bénissons Dieu que vous soyez là. Alors demeurez connectés jusqu'à la fin de ces cultes et nous bénissons le Seigneur. Et comme vous le savez aujourd'hui, nous aurons un moment particulier, un moment spécial, juste à la fin de toutes choses, pour la certification de tous nos bien-aimés frères et sœurs qui ont fini leur série de formations sur les discipulats. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et que le Seigneur soit béni pour ce travail immense et profond qui s'est fait. Que toute la gloire lui revienne. Alors si cela ne vous dérange pas, frères et sœurs, tenons-nous debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire Genèse chapitre 37. À partir du verset 5. Jusqu'au verset 11. Genèse chapitre 37. Verset 5 jusqu'à 11, nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible déclare ceci. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui les détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternées devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Ils les détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, « Que signifient les rêves que tu as faits? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda les souvenirs de cela. Amen. Gloire au Seigneur, merci, que Dieu vous bénisse. Nous reprenons nos places. La vie de Joseph a plein de rebondissements, plein de choses à dire et à raconter. Et en ce second culte,
J'aimerais partager avec nous sur ce sujet mon rêve de gloire. Mon rêve de gloire. Amen. Je disais tout à l'heure, la vie de Joseph est pleine de rebondissements. Plein d'événements, plein de choses s'est passé dans la vie de ce jeune homme. Alors qu'il avait à peine 17 ans, même pas encore majeur, un simple adolescent. Mais sa vie a été beaucoup bousculée, secouée. Mais tout a commencé avec un rêve. Mon rêve de gloire. Joseph relate son rêve de gloire. Où il voit ses frères dans ses rêves, de manière imagée et symbolique, comme le gerbe, comme le soleil, les étoiles. Et il voit tout cela. Dieu lui parle de manière symbolique, de manière imagée. Et ce qui est curieux, c'est à quoi il raconte ses rêves. C'est eux qui lui expliquent son rêve, qui essayent de lui faire comprendre, au fait, ce que tu as rêvé, ça signifie ça. Mais lui qui rêve, il les raconte avec simplement, sans arrière-pensée, sans une pensée d'orgueil, mais il les fait simplement. Car très souvent, lorsque nous présentons Joseph, nous le présentons souvent comme un orgueilleux qui parle de ses grands rêves. Mais en réalité, il n'y a pas du mal de parler de ses rêves. Et surtout, Joseph ne sort pas dans le riz pour aller crier, « Oh, les voisins, vous savez, moi !» Non, il parle à ses proches. Ce sont les membres de sa famille, dans ce cercle privé. C'est là où il parle. Et il a cette liberté de raconter et de parler de ses rêves sans souci. Mais il parle le rêve de gloire, mon rêve de gloire. Il réunit ses frères pour leur raconter son rêve de gloire. Voilà ce que je vois. Voilà ce qui se pointe à l'horizon. Voilà ce que l'avenir nous réserve. Voilà ce que je vois dans le futur, mon rêve de gloire. J'aimerais simplement nous poser la question, quel est votre rêve dans cette année de gloire? Quel est le rêve qui vous passionne? Quel est le rêve qui vous empêche d'être tranquille? Qui vous amène à parler. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous saisit votre cœur véritablement? Joseph était vraiment saisi dans son cœur au point de dire de ne plus se contenir. C'était tellement fort les choses qu'il voyait, les choses qu'il rêvait. C'était tellement fort et tellement glorieux. Il voit sa gloire, mais au travers d'un rêve. Et ce rêve ne parle pas de son présent, mais ça parle de son futur. Et ça, c'est extraordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette année de gloire, il faut que tu puisses avoir des rêves de gloire. Aide-moi à dire à ton voisin, aie des rêves de gloire. Vous devez avoir le rêve de gloire. Je vois les gens qui ne rêvent seulement qu'on m'a étranglé. Je rêve qu'on est venu me prendre. Je rêve que je suis malade. Non, cette année, il faut avoir des rêves. Tu ne rêves qu'on me poursuit. On me bat. On m'a battu. Oh, c'était terrible. Heureusement, je me suis réveillé, sinon je serais mort. Cette année, quel est ton rêve de gloire? Je parle de rêve de gloire.
Le Dieu de gloire nous communique les rêves de gloire. Un rêve qui décrit votre futur glorieux, votre avenir glorieux. Un rêve qui vous porte pour un mariage heureux. Le rêve d'une vie en bonne santé. Le rêve d'une prospérité, d'une vie spirituelle victorieuse et triomphante. Il y a des spécialistes qui ne font que rêver les diables. Ils n'ont jamais vu Dieu, ni les anges dans leurs rêves, que les diables et les démons. Vous croyez vraiment que Dieu vous a sauvé pour faire de tels rêves? Et qu'il a mis en vous son esprit pour que vous ne voyez que des sorciers. Alors je me pose la question, à quel Dieu vous êtes connecté? Si vous êtes connecté au Dieu de gloire, vous aurez des rêves. Parce que vos rêves sont conditionnés par le Dieu à qui vous êtes connecté. Dans quelle source vous êtes connecté? La source de votre connexion va produire le rêve que vous avez. Si vous êtes connecté au Dieu de gloire, vous aurez pour votre vie, pour votre avenir, un rêve de gloire. Joseph, il savait qui il était, mais il savait aussi qui il deviendrait. Il savait au présent qui je suis. C'est le petit, l'avant-dernier, dont la maman est déjà morte. Je suis Joseph, orphelin de mère, vivant dans une famille polygame. Je suis l'avant-dernier, mais j'ai un rêve. J'ai un rêve de gloire. J'aimerais dire à quelqu'un que ton passé, que tes expériences passées, que les pertes que tu as connues dans la vie ne t'empêchent pas d'avoir un rêve de gloire. Joseph a perdu un être cher de sa vie, sa mère, très tôt. Mais ça ne l'a pas empêché, Dieu a déposé dans son cœur un rêve de gloire. Lorsqu'il raconte ses rêves, le rêve crie « Gloire !» Non, nous n'acceptons pas de telles excuse. Oh non, tu vois, moi, je suis orphelin, mon père m'a abandonné, parce que c'est pourquoi je ne pense pas que j'ai un avenir. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas les Joseph. Joseph sait qui il est, mais il sait aussi qui il deviendra. Il sait, il a cette conviction, parce qu'en lui, il y a ce rêve de gloire. Un rêve de gloire. Je pense que telle est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Quel est ton rêve de gloire? Mon rêve de gloire. Joseph dit, mon rêve de gloire est de devenir. Ce que je vois pour le lendemain, pour mon futur, pour le futur de mes enfants, tel que je me vois, mon rêve de gloire. Avez-vous un rêve? Je l'ai dit au premier culte. Toute gloire commence par un rêve.
Il n'y a pas de gloire sans rêve. Toute gloire commence par un rêve. Avez-vous un rêve? Quelque chose qui vous tient à cœur. Que vous direz, il faut que je puisse avoir ça. Il faut que je devienne comme ça. Il faut que je vive ça. Tu peux avoir un rêve de gloire malgré ton passé. Tu peux avoir un rêve de gloire malgré ce que tu as connu, vécu, tout ce que tu as traversé comme épreuve, comme douleur, comme souffrance. Malgré tout cela, qu'importe la famille dans laquelle tu as grandi, tu t'es élevé, que soit décomposé ou composé, tu peux, toi, avoir un rêve de gloire. Le problème, tu ne veux pas rêver. Tu ne veux pas voir plus loin que ton passé. Tu ne veux pas voir plus loin que ton père. Joseph est en train de présenter quelque chose qui dépasse même son père. Son père dit, je ne me retrouve pas dans ça. Même moi, à ton âge, je n'avais pas de tels rêves. Même moi, à ton âge, je ne voyais pas les choses de cette manière. Même si ton père n'a pas vu les choses de cette manière, même si ton père n'a pas marché avec ce genre de rêves, toi, je t'encourage cet après-midi, rêve le rêve de gloire. Rêve grand le rêve de gloire de Joseph. Qu'importe ce qu'il est, ce qu'il est, par où, ce qu'il a vécu, même si dans l'histoire de sa vie, personne n'a déjà raconté une telle chose, mais lui, il le voit, mon rêve de gloire. Un homme aussi dans la Bible avait son rêve de gloire. C'est Bartimée, l'aveugle mendiant. La Bible dit, il était au bord du chemin. Au bord du chemin, mais il avait un rêve. Mendiant, mais il avait un rêve qui l'est passionné, qui agitait son esprit, qui préoccupait ses pensées, mais au bord du chemin. Mais au bord du chemin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux rêver en étant au bord du chemin, mais ton rêve ne te laissera pas au bord du chemin. Tu peux rêver en étant sans argent, mais ton rêve ne te laissera pas sans argent. Tu peux rêver. Il était au bord du chemin, mais il avait un rêve. Quel était le rêve de Bartimée? Le rêve de Bartimée était simple, que je recouvre la vue. C'était ça ce qui préoccupait son esprit. Ce qui agitait ses pensées, que je recouvre la vue. Et quand il a eu l'occasion, quand il a eu l'opportunité de voir son rêve, il n'a pas lâché. Parce qu'il a eu l'opportunité de vivre son rêve. Savez-vous que chaque rêve, pour chaque rêve que Dieu vous donne, il crée des opportunités pour que vous puissiez la vivre. Dieu provoque des opportunités pour vous amener à vivre le rêve. Pour chaque rêve que Dieu vous donne, il crée les opportunités pour que vous viviez votre rêve. Dieu provoque les opportunités. Et Dieu a provoqué une opportunité
Alors qu'il était au bord du chemin, mendiant, il a appris que Jésus passait. C'est là le problème. L'homme a deux problèmes. Le premier problème de l'homme, c'est l'effet de rêver. De rêver, de se projeter. Beaucoup sont bloqués par leur situation présente, par leur passé, et ça les empêche de rêver. De rêver leur mariage, de rêver leur avenir, de rêver leur projet, de rêver leur ministère. Ça les empêche, ces choses qu'ils ont vécues dans le passé, la famille dans laquelle ils ont vécu, tout ce qui s'est passé, les empêche véritablement de se projeter dans le futur et de voir, de percer l'invisible et de voir ce que Dieu est en train de préparer. Ce à quoi Dieu est en train de vous appeler. C'est que Dieu, là où Dieu veut que vous soyez, beaucoup de gens ne sont pas là où Dieu les attend. Beaucoup de gens ne se voient pas là où Dieu le voit. Beaucoup de gens ne pensent pas ce que Dieu pense pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves de leur passé. Ils sont esclaves de ce qu'ils ont vécu dans leur milieu familial. Ils sont esclaves des choses qu'ils ont perdues, qu'ils n'ont pas pu avoir, qu'ils ont manqué, raté. Et ils pensent que, puisqu'ils ont raté cela, ils ont raté la vie. Deuxième problème de l'homme, c'est de savoir saisir les opportunités pour vivre son rêve. Nous devons savoir lire l'histoire autrement. Bartimée est là. Jésus passe. Il entend. C'est Jésus. Il avait un rêve. Et pour lui, il disait, c'est la seule opportunité de voir ce que j'ai toujours rêvé depuis se réaliser. Mon rêve de gloire. Alors, il a crié. Il a crié beaucoup plus fort. Et quand Jésus l'a entendu, il appelle. Quand il vient devant le Seigneur, écoutez, Jésus ne s'est pas dit, « Ok, je vais faire quelque chose pour toi, je te recommande à la grâce du Seigneur, je prie. » Non, que veux-tu que je te fasse? Quel est ton rêve? Quel est ton rêve de gloire en cette année? Quel est ton rêve de gloire pour ta famille, ô homme? Marie, quel est ton rêve de gloire, femme, pour ta famille, pour ton foyer? Quel est ton rêve de gloire, jeune homme, jeune fille? Quel est ton rêve de gloire? Tu as raté peut-être ton diplôme, tu as raté peut-être ton bac, mais que ce que tu as raté ne t'empêche pas de rêver. Parce que j'ai compris, tu n'as pas besoin d'un diplôme pour commencer à rêver grand. Joseph n'était qu'un adolescent. Si c'était à notre époque, il n'a pas encore même eu son bac. Mais malgré cela, Joseph ne s'est pas empêché de rêver. Dieu ne regarde pas si tu as un diplôme ou pas. Il dépose le rêve en toi, même si tu n'as pas le diplôme. Parce que c'est dans ce diplôme que ton rêve, le rêve est dans les diplômes. Les diplômes sont dans les rêves. C'est là, même célibataire, mais Dieu te donne un rêve d'un mariage heureux, stable. Tu commences à rêver, à élever ce rêve. Tu dis, mais non, non, le problème de Dieu, ce n'est pas ce que tu es. Tout est dans le rêve. Je vais dire ceci, le rêve, c'est un package. Tout est là-dedans. Aide-moi à dire à quelqu'un, tout est dans ton rêve.
si tu ne le vois pas maintenant, mais c'est dans le rêve. C'est pourquoi je dis tes enfants sont dans le rêve. Ton mariage heureux, stable est dans le rêve. Ah, un travail stable est dans le rêve. Je vais dire à quelqu'un, ton doctorat est dans le rêve. J'ai dit ton bac est dans le rêve. Même si maintenant je n'ai pas, mais je peux rêver. Et les choses sont dans le rêve. C'est dans le rêve. Ce n'était qu'un adolescent. Il n'avait rien. Mais il pouvait rêver. Tu n'as pas l'argent. Tu es peut-être comme moi, orphelin de père et de mère. Tu n'as peut-être pas de diplôme. Mais tu peux avoir un rêve. Tu peux avoir un rêve. Ce qui est bon, les diplômes, les titres, toutes ces choses, c'est l'homme qui te donne. Mais le rêve, alléluia. Donc, avec ou sans les hommes, je peux rêver. Je veux simplement que cette année, tu puisses rêver. Te voir quelque part. Te voir quelque part en train de travailler. Te voir quelque part en train de faire des choses grandes, de faire des choses extraordinaires. Vois-toi quelque part dans le ministère. Je veux que tu te voies quelque part. Vois-toi quelque part dans une position politique. Je ne sais dans quel parti politique, mais vois-toi quelque part. Vois-toi, je ne sais pas moi, au Parlement. Vois-toi, je ne sais pas, comme un ministre quelque part. Vois-toi. Dieu te donne la capacité de rêver. Tu as la capacité de rêver. Ça, il ne faut pas oublier. Dieu a donné à chaque homme, païen ou chrétien, la capacité de rêver. J'ai entendu lorsque Sarkozy est devenu président dire, c'était mon rêve depuis que j'étais enfant. Je disais à ma mère, moi je deviendrai président. Ah, je croyais qu'il était né de nouveau. Là. C'est un problème, c'est une capacité que Dieu a mis en tout homme de rêver. Quel est ton rêve de gloire? Toi, tu rêves toujours, on est en train de te tabasser. Tu rêves toujours, on est en train de t'étrangler. Tu rêves toujours, on est en train de te pourchasser. Tu rêves toujours, tu es le plus malheureux. Non. Il y a des rêves que tu dois refuser. Oh, je me vois lié en prison. Avec des chaînes, et on me tirait. Non. Toujours là au coin, sur un arbre. Non, il y a des rêves qu'il faut. Dans cette année de gloire, ce n'est pas ces rêves-là. Non, je ne suis pas destiné à ces rêves-là. Je ne suis pas destiné à ces rêves-là. Moi, je suis destiné à un rêve de gloire, à un rêve glorieux. Il faut refuser. Parce que vous savez, de la même manière, Dieu, pour vous amener à accepter quelque chose, à adhérer à quelque chose, il commence par vous le déposer par un rêve. Il vous le dépose ça dans votre cœur. Alors, quand vous saisissez ça, vous adhérez à ça, toute votre vie est conditionnée par ça. C'est de cette même manière que le diable fait. Il vous donnera des rêves et quand vous commencez à adhérer à ça, ça conditionne votre vie. Vous devez discerner les choses. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Mon rêve de gloire. Joseph étale son rêve de gloire. Il expose son rêve de gloire. Et quand nous examinons le rêve de gloire de Joseph, nous retenons
quelques points qui sont importants. Chaque rêve de gloire semble toujours impossible à réaliser. Chaque rêve de gloire semble toujours impossible à réaliser, qu'on ne pourra pas l'accomplir. Parce que on ne rêve pas les choses à son niveau. On rêve toujours les choses à un niveau plus grand que vous. Plus grand que vous. Semble toujours être impossible. Et souvent, c'est là où nous avons le combat, parce que nous regardons ce que nous voyons. Quand nous pensons à ce que nous vivons, nous disons non, ce n'est pas possible. Pourquoi ce frère, pourquoi son père, ils avaient difficile à accepter ce qu'il leur disait? Parce qu'ils connaissaient Joseph. Ils connaissaient qui était Joseph. Et ils disaient, il n'est pas l'aîné. Normalement, selon la tradition, c'est l'aîné qui doit être plus honoré que tous les autres. Parce qu'il y a le droit d'aînesse. C'est plus grand que vous. Mais j'aimerais encourager quelqu'un cet après-midi. Saisis ce rêve. Ça dépasse ton entendement, mais saisis-le. C'est incompréhensible, mais saisis ce rêve. Ne lâche pas. Saisis ton rêve de gloire. Non, mais je n'ai pas les moyens pour ça. Je le saisis. Ce n'est pas d'abord question de moyens. C'est question de ce que je vois, des rêves que je saisis. Je saisis ces rêves même quand je n'ai pas les moyens. Je saisis ces rêves même quand je sais que les médecins ont dit, moi je saisis le rêve de la guérison. Ils ont dit, c'est impossible pour toi. Matrice est partie. Tout ça, utérus, il n'y en a plus. J'ai saisi le rêve de la maternité et de la fécondité. Moi, j'ai saisi mon rêve de gloire cette année. Je veux dire à quelqu'un, saisis ton rêve de gloire. Ne regarde pas à tes capacités. Ne regarde pas à ton niveau. Toi, saisis le rêve de gloire que la parole de Dieu nous révèle, que la parole de Dieu nous montre. Tu seras la tête et pas la queue. Qu'importe, j'ai saisi le rêve de gloire. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. J'ai saisi le rêve de gloire. J'ai saisi le rêve de gloire. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. J'ai saisi le rêve de gloire. Saisis le rêve de gloire. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je saisis le rêve de gloire. Je saisis le rêve de gloire. Qu'importe les familles dans lesquelles je suis venu, une famille des sorciers, une famille des occultistes, une famille où il règne la malédiction, une famille des liens, qu'importe, moi je saisis le rêve de gloire. Je saisis le rêve de gloire que Dieu est en train de me donner cette année. Je le saisis. Je veux cette année courir avec ses rêves. Je veux cette année marcher avec ses rêves. Le rêve de gloire. Qu'importe, je cours avec le rêve de gloire. Je cours avec ses rêves. Qu'importe si ça dans nos familles, les mariages ne marchent pas. Ça finit toujours par se distolquer. Ça finit toujours par des divorces. Ça ne marche jamais. J'aimerais dire qu'importe. Qu'importe, 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 toi saisis le rêve de gloire d'un mariage stable, heureux et équilibré. Parce que la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de paix et non de malheur. Ce n'est pas les projets de divorce, non, c'est les projets de paix et non de malheur. Ah, quelqu'un peut me dire, j'ai saisi mon rêve de gloire. Non, quelqu'un peut le dire bien, j'ai saisi mon rêve de gloire. Ah, j'ai saisi mon rêve de gloire. J'ai dit à quelqu'un, dans quelques jours, tu me retrouveras dans mon rêve de gloire. Ah, j'ai dit à quelqu'un, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, tu me retrouveras dans mon rêve de gloire. Tu me retrouveras dans mon rêve de gloire. Parce que je l'ai rêvé et ça va s'accomplir. Dans quelques jours, donnons-nous rendez-vous dans quelques jours. Donnons-nous rendez-vous dans quelques mois. Donnons-nous rendez-vous dans quelques semaines. Tu me retrouveras dans mon rêve de gloire.
tu me retrouveras dans mon rêve de gloire. Tu me retrouveras dans mon rêve de gloire. Maintenant, ça semble impossible. Même quand je te rencontre, tu dis, oh, c'est de n'importe quoi ça. Ah, tu me retrouveras dans ces rêves-là de gloire. Ses frères, comme les jeunes de cette époque, quand Joseph a raconté ça, ses frères ont dit, ça c'est de n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Tu dis quoi ça? C'est quoi ce que tu veux nous expliquer? C'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour que les gens croient à votre rêve. Battez-vous pour réaliser votre rêve. Il y a des gens qui passent tout leur temps à se battre pour que les gens les croient. Ah, vous devez me croire. Vous devez me croire. C'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Mais qu'est-ce que tu... Bats-toi pour réaliser ça. Ne te bats pas pour que les gens te croient. Que les gens croient à ton rêve. Que les gens acceptent ton rêve. Joseph ne se bat pas. Il raconte. Et puis il tourne le dos. Eux-mêmes, ils restent à se battre avec le rêve. Qu'est-ce que Joseph voulait dire, Ruben? Donc, il voulait dire que nous... Non, arrête. Judas, toi, tu as cru à ça. Joseph est peinard. Il rêve encore. Il vient encore dire, j'ai encore rêvé. Je dis, ne te bats pas. Non, il dit, j'ai encore rêvé. Et encore quoi? Encore quoi? Encore quoi? Non, cette fois-ci, j'ai rêvé. Vous étiez des étoiles. Puis moi, j'étais le soleil. Ah! Et vous procédez. Et papa et maman. Ah bon? Là, tu es allé plus loin. Entre nous, les enfants, oui, quand tu associes papa et maman, là, ça devient ça. Ça, tu manques de respect aux gens. Joseph, ne te bats pas pour que les gens croient en ce que tu rêves. Toi, bats-toi pour que ton rêve devienne une... Parce que ce qui est vrai, les gens ne te croiront pas. Les gens diront toujours, ce n'est pas possible. Parce qu'ils regardent ton histoire. Ils disent, soyons quand même sérieux. Entre nous, parlons. On te connaît. Tu te vois où là? Non, tu es trop ambitieux. Et ça, c'est l'orgueil. Non, je dis une chose. Joseph n'était pas orgueilleux. Il disait seulement ce qu'il voyait. Il n'a pas inventé. Il n'a pas ajouté des choses. Il a simplement dit ce qu'il voyait. C'est à vous de faire ce que vous voulez. Si vous voulez vous fâcher, fâchez-vous. Si vous voulez vous battre, battez-vous. Si vous voulez faire tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai vu et j'ai raconté. Amen. Alors, j'encourage encore quelqu'un pour dire, ne te bats pas pour que les gens croient à ce que tu vois. Bats-toi pour voir cela se réaliser. Deuxième chose à savoir, et je finis par là pour aujourd'hui, c'est que aucun rêve de gloire ne s'accomplit sans douleur. Aucun rêve de gloire ne s'accomplit sans... Joseph a connu toutes sortes de douleurs. Douleur de rejet et de la haine de ses frères. Joseph a connu les douleurs de la trahison avec la femme de Potiphar. Et il a connu les douleurs de l'oubli. Il s'est vraiment investi chez un prisonnier, son collègue. Et les prisonniers en sortant, Joseph dit, oh, quand tu partiras, souviens-toi de moi. Parle de moi là-bas. Sûrement, il lui a raconté son histoire. Je suis ici injustement. Je suis innocent. Je n'ai pas fait des choses pour lesquelles on m'accuse. Quand tu seras là-bas, toi qui travailles à côté de Pharaon,
parle au moins à ma faveur, explique mon cas. Mais ce qui est triste dans la Bible dit quand il est sorti, on dit, et les chansons l'oublia. Après tout ce que je fais pour toi, j'ai interprété ton rêve. Et cela s'est réalisé. J'ai pris le temps de te relater mon histoire. Et puis tu pars et tu m'oublies. C'était une douleur. Il regardait les années passées. Il regardait les jours passés. Il se disait sûrement les chansons, comme il sort là, il va raconter mon histoire. Il va dire que c'est lui, c'est moi qui avais interprété son rêve. Et puis il est sorti. Et puis on juste, c'est un monsieur bon. Il n'a rien fait de tout ça. Laissez-le libre. Mais rien de tout ça. Quelle souffrance. Quelle douleur. La souffrance, la douleur des fausses accusations. La femme de Potiphar brandit à tunique. Il dit, c'est lui. C'est lui. Il parle, il nie, il explique. On ne veut pas le croire, on le met en prison. C'est une douleur. C'est une grande souffrance. Le rêve de gloire ne s'accomplit pas sans douleur. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans le processus de l'accomplissement de votre rêve. L'usine qui fabrique votre rêve et qui les rend réels, évidents, c'est la souffrance. La douleur. Bien-aimé, pour être là où nous sommes aujourd'hui, tout le monde dit, waouh, c'est beau, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Venez avec nous en 2005. Vous allez voir des hommes et des femmes dans cette ville d'Avenef-Saint-Georges, dans notre montée. On était au moins au sommet quand même, hein, notre petite maison là. On était dans une maison, bon, entre nous. C'est là, là, on était là. Venez voir comment les gens pleuraient pour que cette œuvre voie les jours. En larmes, douleur, souffrance. Quand on sortait tous les matins, les cultes commençaient, on devait porter les baffles sur la tête et prendre les trains et les métros. Je bénis Dieu pour les personnes comme le frère fils. Allez, ok, on les porte. Je pense des fois les gens, vous regardez-moi ces Africains, ils sont, voilà, ils se croient où là? Ils se croient dans leur village avec des baffes. Nous c'est pas comme ça, nous on loue des véhicules de location. Malheureusement, nous on n'a pas l'argent pour ça. On a encore nos forces, on peut porter. Non, j'aimerais que vous venez avec nous, ça. Vous allez trouver Mamina devant le piano. Victoire au lion de Juda. Tu es si merveilleux. Ah! Yes. Et là, on avait la défunte maman Mombo qui était avec nous. Lorsque Prince et Maracas commence à jouer, elle se perd parce qu'on perd le rythme. Quand on arrive à la maison, elle me dit, mais il faut dire à maman Mombo d'éviter de jouer parce que quand il joue là, moi je me... Je vais dire à quelqu'un, viens avec nous à cette époque. Il n'y a pas de rêve sans douleur. Si vous n'apprenez pas à pleurer avant l'accomplissement des rêves, vous pleurerez pendant l'accomplissement. Alors pleurez avant. Il n'y a pas de rêve sans. Si vous voulez éviter la douleur de l'accomplissement des rêves, vous
vous rencontrerez une douleur en plein accomplissement. C'est dur. Mais ce qui me réjouit dans cet homme Joseph, c'est qu'il n'a pas renoncé. Il dit, c'est mon rêve de gloire. Je sais que c'est dur, mais c'est mon rêve de gloire. Je suis rejeté, mais c'est mon rêve de gloire. Je suis oublié, mais je n'abandonne pas mon rêve de gloire. Je ne renonce pas à mon rêve de gloire parce que les gens m'ont rejeté, parce que j'ai perdu mes parents, parce que je n'ai pas réussi, parce que non, je n'abandonne pas mon rêve de gloire. J'y crois. Parce que l'histoire d'acheter ici, ce n'est pas 2011 qu'on savait qu'on allait acheter. Depuis 2005, alors qu'on était en prière, elle est sortie le matin, sa grande sœur est là parce qu'on était chez elle, dans sa cuisine, avec son mari. Elle nous raconte, il dit, Dieu m'a dit, Sarkozy sera président et on va acheter pendant la période de Sarkozy, il sera président. Acheter, on y est. C'est en sérieux. Et à cette époque, on n'avait pas encore même commencé. On était juste dans notre petite cellule. On nous parle, on va acheter le bâtiment de l'église quand Sarkozy sera président. Si c'était assez de on a dit, mon œil. Mais, c'est. Mais, il fallait tous les processus. Je dis à quelqu'un, tu es déjà dans le processus de ton rêve de gloire. C'est douloureux. C'est compliqué, mais tu es dans le processus. Tu es dans le processus de ton rêve de gloire. Tu es rejeté, mais dans le processus. Oublié, mais tu es dans le processus. Accusé faussement, mais tu es dans le processus. Trahi par les hommes, mais tu es dans le processus. Alors ne renonce pas à ton rêve de gloire. Car il n'y a pas de rêve. Aucun rêve de gloire s'accomplit sans douleur. Sans douleur, il n'y a pas. Mais alors ne renonce pas. Je suis venu juste encourager quelqu'un cet après-midi de lui dire, ne renonce pas à ton rêve de gloire. Qu'importe ce qui se passe, saisis ton rêve et ne renonce pas à cela. Amen. Prions. Il y a des gens cet après-midi qui doivent saisir leur rêve de gloire. Et il y a des gens qui doivent demander la résilience, l'endurance, parce qu'ils sont dans le processus de l'accouchement de leurs rêves, de l'accomplissement de leurs rêves. Et c'est douloureux. C'est douloureux. Tu ne sais même pas si ça va s'accomplir. C'est tellement dur. Tu te poses mille et une questions. Mais tu dois, ce matin, cet après-midi, prier pour que Dieu te donne de l'endurance, de la résilience. Et prier pour toi de dire, Seigneur, aide-moi à saisir mon rêve de gloire. Parce que je veux courir cette année avec ce rêve. Je veux marcher avec cela. Prions le Seigneur. Sharabaraba korobo shendaraba brakoboro bosata. Parle à Dieu pendant ces quelques minutes. Parle en fonction, je ne sais pas si, comme dans un tableau, écris ton rêve de gloire. Sur un cahier, écris ton rêve de gloire.
et parle à Dieu sur ses rêves. Tes moi sont plus grands que ce que j'imagine. Tes rêves pour moi sont plus grands, oui Seigneur. Tes rêves pour moi sont plus grands que ce que j'imagine. Parle, parle, c'est plus grand, c'est tes plus grand. Tes rêves pour moi sont plus grands, oui Seigneur. À tes yeux, ça semble être impossible de voir ça un jour. Mais c'est le rêve que tu dois saisir. C'est le rêve que tu dois t'approprier. C'est le rêve dans lequel tu dois t'identifier. C'est plus grand. Oui, mais identifie-toi à ça. Saisis-toi. Saisis ces rêves. Tes rêves pour moi sont plus grands que ce que j'imagine. Tes rêves pour moi sont plus grands, oui Seigneur. Saraba, Kotorobo, Sarababa, Shataraba, Korobo, Sata. Ah, que Dieu fasse monter les pensées les plus profondes de ton esprit pour graver ces pensées dans ton pensée. Graver cette image dans ton esprit. Oh Seigneur, fais-le maintenant. Tes rêves pour moi sont plus grands que ce que j'imagine. Tes rêves pour moi sont plus grands, oui Seigneur. Tes rêves pour moi sont plus grands que ce que j'imagine. Tes rêves pour moi sont plus grands, oui Seigneur. Tes rêves pour moi sont plus grands que ce que j'imagine. Tes rêves pour moi sont plus grands, oui Seigneur. Parle, parle à Dieu, alléluia. Oh, c'est plus grand, mais je le saisis. C'est plus grand, mais je le saisis. C'est plus grand, mais je le saisis. C'est plus grand, mais je n'y renoncerai pas. C'est plus grand, mais je n'y renoncerai pas. Je crois à mes rêves. Tes rêves pour moi sont plus grands que ce que j'imagine. Tes rêves pour moi sont plus grands, oui, Seigneur. Commence à rêver, avoir encore plus grand, encore plus grand. Tes rêves pour moi sont plus grands, oui Seigneur. Commence à rêver maintenant. Si tu n'avais pas encore de rêve, commence à avoir des rêves avec Dieu maintenant. Une destinée glorieuse que Dieu est en train de préparer pour toi. Malgré la souffrance, la douleur, je chante malgré la sombre nuit. Ta parole est vraie dans ma vie. Ce que tu dis, tu l'accomplis, tu le fais. Tu es derrière ta parole afin de l'accomplir. Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Ce que tu m'as dit, tu le fais. Malgré les sombres nuits, dans la peur et la souffrance. Bien-aimé, revois encore ce que Dieu t'a dit. Peut-être il y a quelques années, peut-être qu'il y a, c'était hier. Peut-être que lorsque tu étais encore jeune, lorsque tu l'as rencontré, quels sont les messages, les promesses, les rêves que Dieu t'a donnés? Dans la souffrance, dans la douleur, tu l'as reçu. Et je chante, je te loue, je te loue. Même il est tant difficile, je sais Seigneur. Dans la peine et la souffrance, je chante, et je chante. Moi je te loue, je te loue.
Je lève mes mains pour t'honorer. Je lève mes mains pour t'honorer. Car ta parole est vraie. Car ta parole est vraie. Et je chante, je chante. Et je chante. J'ai choisi de te louer. Je te loue. Je lève mes mains pour t'honorer. Je lève mes mains pour t'honorer. Car ta parole. Vois-toi dans ce rêve avec Dieu. Et je chante. Je te loue. Je te loue. Malgré les temps difficiles. Malgré les temps difficiles. Dans la peine, dans la souffrance. Dans la peine et la souffrance. Moi je chante cet après-midi. Et je chante. Moi j'ai choisi de te louer. Je te loue. Je lève mes mains pour t'honorer. Je lève mes mains pour t'honorer. La parole est vraie, ta parole. Ta parole est vraie. Et je chante. Et je chante. Bien-aimé, alors que nous sommes en train de prier, le Seigneur emmène dans mon esprit plusieurs personnes qui ont reçu des rêves, des visions, mais qui ne croient plus. Dieu m'a dit. Et le diable est venu, Dieu a-t-il réellement dit? Et cela a produit en moi l'incrédulité et j'ai mis des doutes. Je ne suis plus esclave de la peur, j'aimerais que tu puisses confesser avec moi. Je suis enfant de Dieu. C'est que Dieu m'a dit, je verrai cela s'accomplir. Je n'aimerais pas douter, je n'aimerais pas être incrédule. J'aimerais sortir de mon incrédulité et douter de mes doutes et croire à ce que Dieu m'a dit. Plus, vas-y. Je suis enfant de Dieu, je crois, je crois. Je suis enfant de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit, je ne suis plus. Je ne suis plus. A-t-il réellement dit? Dis avec moi. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Parle en toi-même, parle en toi-même. Je ne suis tu plus. M'as ébloui. De parler à toi-même. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui. Alléluia. Par tes mélodies. Mm-hmm. Tu m'entoures. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Un chant de délivrance, un chant de délivrance. Chant de délivrance. Devant mes ennemis. Devant mes ennemis. Alléluia. Et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui. Mélodie. Par tes mélodies. Tu m'entoures. Tu m'entoures. Un chant d'amour. Un chant de délivrance. On y va, église. Un chant de délivrance. Devant mes ennemis. Devant mes ennemis. Yeah. Et toutes mes craintes s'enfuient. Ah, j'aimerais qu'on le fasse. Tu m'as ébloui, église. Tu m'as ébloui. Yes. Par tes mélodies. Tu m'entoures. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance. Devant mes ennemis. Devant mes ennemis. Et toutes mes craintes. Et toutes. Chante avec moi. Mes craintes. Je ne suis plus. S'enfuit. Oui, je ne suis plus. Je suis enfant de Dieu. Je suis.
Continuez à mettre nos offrandes. Regarde ton voisin de gauche, de droite. Dis, rêve de gloire. Un rêve de gloire. Je n'ai pas peur, un rêve de gloire. Nous allons donner nos offrandes à Dieu. Nous allons donner par tous les moyens. Vous pouvez donner par carte bleue. Vous pouvez faire un chèque par l'ordre de l'église, parole du salut. Vous pouvez donner par espèce. Il y a nos paniers qui sont là. Vous pouvez aussi payer en ligne. Nous voulons continuer dans la louange avec RGM et nous donnons avec joie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'en même temps, on peut s'élever pour acclamer le Seigneur? Je vous invite à vous lever. Nous allons louer le Seigneur, l'acclamer. En même temps, nous apportons nos offrandes. Alléluia. On acclame. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia! Nous te louons. Mais comprenez le temps, pouvez vous asseoir, merci. On acclame pour RGM, merci beaucoup. C'est pour vous la toute première fois de venir à la parole du salut et vous êtes là au milieu de nous. Si vous êtes là, faites signe de main, levez-vous, nous voulons vous connaître et vous accueillir chez nous. Alléluia, nous acclamons le Seigneur. Vous nous suivez en ligne, il y a un lien. Vous pouvez aussi cliquer, il y a nos conseillers qui viennent vers vous. Et vous pouvez cliquer à ce lien-là, vous êtes là pour la première fois, vous suivez EEPS TV, cliquez le lien et nos conseillers seront en contact avec vous. Et pour vous, la première fois chez nous, nous sommes dans la joie de vous accueillir à la maison de rafraîchissement. Ne vous asseyez pas encore, il y a nos conseillers qui viennent vers vous et nous voulons être en contact avec vous et vous faire découvrir la maison de rafraîchissement. Les actions de grâce, nous voulons glorifier le Seigneur, nous... Au RAF, les hommes rafraîchis ont eu leur réunion hier, 12 février, la première réunion de l'année. Hommes persévèrent et vivent dans la gloire de Dieu. Et la réunion était vraiment magnifique. Nous voulons bénir le Seigneur ensemble et bénir Dieu pour les hauts RAF. Les hommes, vous êtes là? Les hommes, vous êtes là? Amen. Ça vient. C'est bien. Feraf, vous allez demander, mais ce n'était pas nous. Le 5 mars, les Feraf, nous allons nous rencontrer
Nous avons aussi notre rendez-vous et nous bénissons Dieu pour les oraves. Le Seigneur fait tellement de merveilles. Si vous avez un homme à côté de vous, demandez-lui, vous êtes oraves? Prochaine réunion d'oraves, ne manquez pas. Nous voulons bénir le Seigneur, vous qui avez fêté vos anniversaires de naissance ou de mariage. Vous êtes là ensemble dans cette semaine. Aujourd'hui, vous célébrez votre anniversaire. Tenez-vous debout, nous voulons glorifier Dieu ensemble avec vous. Et vous souhaitez joyeux anniversaire. Elle est juste derrière mon mari, c'est ma fille. Bon anniversaire si vous êtes à côté. Nous voulons bénir le Seigneur pour Teila. Elle est juste derrière toi, baby. Alléluia. Vous la voyez? 20 ans. Waouh. Tu fais ma fierté, petite. C'est ma princesse. Et je bénis Dieu pour elle. Donc, comme je disais au premier culte, attention. Nous sommes 4 gaillards qui veillent sur elle. Donc, si moi je te rate, l'aîné va t'avoir. Que Dieu soit béni. Bon anniversaire. Allez, sois béni. Bon anniversaire, Teila. Et bon anniversaire à ceux qui sont dans la salle. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Une année de gloire, rêver gloire. Et moi aussi, je voulais dire que Teila, c'est ma fille unique. Voilà, la princesse de la maison. On se rivale, c'est ma rivale un tout petit peu. On se bat. Elle prend ma place, je la chasse. Mais bon, je me bats. Le matin, on se réveille. Et là, je t'aime, j'ai pas eu, je t'aime. Elle dit, c'est quoi ça? Mais c'est la fille de son père et je bénis Dieu pour toi. Tu fais notre fierté, Teila, et les études et tout, elles brillent et nous glorifions Dieu. Aidez-moi encore à acclamer ma fille. L'accueil info, notre secrétariat vous prie de noter les rendez-vous qui s'affichent. Nous faisons nos rendez-vous ici les mardis, les jeudis et les vendredis et vous pouvez prendre rendez-vous à l'accueil info. Nous voulons juste signaler, lorsque vous prenez les rendez-vous par SMS, c'est difficile de vous prendre le rendez-vous parce que les pasteurs posent déjà les horaires et notre secrétariat est ouvert tous les jours de lundi à vendredi. Il y a des numéros et les numéros qui sont affichés, le numéro fixe et l'autre numéro au-dessus, c'est notre numéro de secrétariat. Le numéro juste en bas, c'est le numéro pour les membres. Et si vous voulez envoyer les textos, c'est des textos d'action de grâce. Quand Dieu a fait quelque chose dans votre vie et vous voulez glorifier le Seigneur ensemble avec nous, vous pouvez envoyer les textos pour nous dire ce que Dieu a fait ou si vous voulez présenter un enfant. Mais pour les rendez-vous, il faut passer à l'accueil info. Et à la fin du culte, vous pouvez prendre rendez-vous. Si vous désirez parler avec un corps pastoral, nous sommes là. Nous pouvons partager ensemble et partager le moment de prière. Vous souhaitez vous affermir et passer par des autres baptêmes, nous donnons des enseignements. Et notre stand est juste, je pense aujourd'hui on va faire aussi, notre stand est juste à la fin, derrière la salle pour le discipola. Vous voulez vous affermir et passer par les autres baptêmes, n'hésitez pas, nos amis de discipola sont juste là à la fin, au fond de la salle, notre stand discipola. Et nous avons notre stand librairie qui est juste là-bas, nous avons notre librairie Serfi Asso, si vous voulez commander des livres, des bibles pour votre édification. Et nous vous informons aussi que nous avons quelques livres qui sont là de nos pasteurs et vous pouvez vraiment vous procurer et c'est une manière pour vous de contribuer pour BT. J'essaie d'aller vite. Nos événements de la semaine, nous avons mardi notre étude biblique, nous passons des bons moments. En tout cas, le pasteur a commencé des études sur le tabernacle, le pasteur Noël, et nous passons des bons moments. En tout cas, enrichissez-vous dans les études bibliques. Et on se disait, on garde ça en ligne, mais on voit beaucoup de gens ne suivent pas en ligne. Alors que vous avez déjà terminé votre travail, même en cours de route, vous pouvez suivre l'étude biblique. Et nous voulons vraiment nous affermir dans la foi. Dites Amen. Vendredi, nous avons notre culte d'intercession et nous commençons déjà à midi. Il y a un numéro en ligne et nous prions avec l'équipe d'intercession de 12h à 18h. Vous pouvez choisir votre créneau, prier avec nous. Le dimanche, nous avons notre culte. Et le soir, le vendredi, on a le culte de 19h à 21h. Et nos programmes hebdomadaires, toutes les femmes les lundis, les femmes rafraîchies, nous nous réunissons. Et les jeudis, c'est les hommes, les ORAF. Et les départements de la jeunesse nous annoncent sa première réunion de l'année le samedi 19 février de 15h à 18h. Merci à tous les jeunes de disposer ce temps-là pour la prière, donc pour la réunion. Les jeunes, samedi 19 février, on vous attend de 15h à 18h. Et ce soir, 13 février, de 20h à 22h,
il y a une réunion visioconférence avec tous les groupes de prière et les responsables. Ensemble, vous allez débattre avec le pasteur Papicho, en tout cas tous les jeunes, tous les groupes de prière, aujourd'hui de 20h à 22h, ne manquez pas. C'est une réunion très très importante et on vous demande de participer. Le lien Zoom sera envoyé, je pense, dans vos groupes. Et il y a un voyage missionnaire pour Martinique qui est organisé le 20 avril jusqu'au 2 mai. Et les personnes qui sont intéressées, rapprochez-vous du pasteur Papicho. Si le pasteur Papicho n'est pas là, n'hésitez pas d'aller à la Quinfo ou dans les stands. Il y a les responsables de jeunesse qui sont... Le pasteur Papicho est là, s'il peut se lever comme ça, on le voit. Voilà. On est habitué à le voir là et je ne savais pas qu'il était là. Et si vous voulez, en tout cas, avoir des informations pour le voyage de Martinique, n'hésitez pas de voir le pasteur Papicho. Et pour le programme des jeunes, pour le programme qui se passe sur Zoom et le programme qui se passera avec la jeunesse ce soir, n'hésitez pas de voir le pasteur Papicho si vous voulez poser des questions ou avoir des informations. Les livres de nos pasteurs, j'ai dit, dans la librairie. RGM lance sa session de recrutement pour des vocalistes. Vous chantez bien et vous voulez intégrer RGM, n'hésitez pas, à la fin, il y a notre stand RGM juste à côté et vous pouvez parler avec nos membres du comité. Le département d'évangélisation annonce la reprise des activités sur le terrain aujourd'hui, 13 février, après le deuxième culte. Donc juste après, il y a notre département qui reprend les activités sur le terrain dans l'évangélisation. Vous pouvez vous joindre à eux. Raph Love nous annonce qu'ils auront, non, nous aurons, les couples, nous aurons notre réunion, notre veillée de prière de fiancés et mariés, notre première réunion de prière, 18 février, donc on avait bien dit 18 février, c'est un vendredi, de 20h, 22h à 2h du matin, nous serons tous là, les couples mariés et les couples fiancés, nous allons venir ici prier avec Raph Love. C'est la première réunion de l'année, il faut entrer en gloire, dites Amen. Les stands BT est ouvert, nous parlons toujours des stands BT, le stand BT est juste là-bas, et BT qui veut dire bâtissons le temple, nous voulons bâtir notre temple, en tout cas nous rêvons gloire, nous rêvons grand, nous rêvons BT, nous rêvons bâtissons le temple, et si Dieu vous met à cœur, vous voulez bénir les seigneurs pour cela, ne manquez pas. Il y a un frère qui me disait, moi je donne 10 euros, je lui ai dit, les 10 euros achètent les briques, achètent la peinture, achètent tout ce qu'il faut, il ne faut pas négliger les petites sommes. Si tu attends seulement de donner 10 000, tu n'auras pas tout de suite, si tu as, gloire à Dieu, mais si tu attends de donner 10 000, tu attends longtemps. Si tu as 10 euros, tu passes chaque fois dans le stand BT, tu donnes, tu vas voir à la fin de l'année, on avait commencé BT depuis, ça va faire 4 ans, et si tu donnais 10 euros, calculé, tu as donné beaucoup. Donc je m'irais vraiment encourager ceux qui donnent peu à ne pas se minimiser, à dire je peux avoir mes 10 euros, mes 5 euros, mes 50 euros, mes 5 000 euros donnés au Seigneur. N'attendez pas les grosses sommes, entre-temps les travaux continuent derrière moi là, les travaux continuent et nous avons besoin de vous. Dites Amen. Nous allons présenter un enfant, je ne sais pas si on le fait après. Ok, nous allons présenter un enfant, nous allons inviter la famille Tukum. Evina qui présente la fille Ayla, Elena, Tukum, Evina au Seigneur. Et je vais inviter la famille Tukum. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous continuons à acclamer Steven et Léa, son parent. Dieu est bon. Église de Dieu, nous pouvons nous tenir debout. Nous allons prier pour la petite. Nous bénissons Dieu pour vous. Nous prions pour la famille et nous prions pour le bébé. Nous voulons recommander Evina entre les mains du Seigneur. Elle a beaucoup de noms. Ayla, Elena, Ena, Evina, Tukum. Nous prions pour elle, que Dieu puisse faire grandir cet enfant dans la crainte de son nom et Dieu puisse la couvrir. Prions le Seigneur, Église de Dieu. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour Ayla et nous te disons merci. Tu es un Dieu bon. Toi qui as donné, Seigneur, à Steven et à Léa ce bébé. Nous te bénissons parce que
tu la gardes. Éternel, notre Dieu, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous proclamons la couverture d'en haut, la couverture céleste, dans le nom puissant de Jésus. Que ta main la couvre, la garde, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et qu'elle grandisse, qu'elle serve les dieux de ses parents. Que, Seigneur, mon Dieu, elle se souvienne, Seigneur, de l'instruction qu'elle va recevoir de ses parents. Aucune flèche de l'ennemi ne pourra l'atteindre dans le nom de Jésus. Nous proclamons la gloire, nous proclamons la victoire, la paix, la bonne santé. Seigneur, une croissance stable, équilibrée dans le nom puissant de Jésus. Pourvois aux besoins de Stephen et Léa et nous prions que ta gloire soit dans la famille tout court. Au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter Maman Nono et nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Merci, frère. Que Dieu soit béni. Nous allons passer un moment de certification. Nous bénissons Dieu pour tous ces bien-aimés frères et sœurs qui ont persévéré pour suivre notre formation des discipolas, une formation qui s'est faite en 3 modules. Et merci d'avoir allé jusqu'au bout, frères et sœurs. Et félicitations à vous parce que... Et nous bénissons Dieu pour cela. Donc, merci de nous donner encore quelques temps pour honorer ces bien-aimés qui sont allés jusqu'au bout de leur formation et engagés à devenir membres au sein de notre assemblée, ainsi aussi le servir, hein, au sein. Et parmi eux, il y a déjà ceux qui servent dans les départements. Est-ce que ceux qui servent dans les départements ici, là, parmi les certifiés, peuvent se tenir debout? Levez-vous d'abord, vous qui êtes dans les... Donc, nous avons cumulé plusieurs sessions. Alors, vous qui êtes assis, qui n'êtes pas dans un département, donc juste après ici, après votre certification, quand on dit Amen, il y a l'accueil. Quand on dit Amen, il y a RGM. Quand on dit Amen, il y a les médias. Il y a la sécurité, il y a l'école de dimanche. Retrouvez-vous quelque part. Amen. Et nous vous encourageons à ça. Et que Dieu soit béni. Amen. Merci, vous pouvez reprendre votre place. Donc, je demande à notre sœur Léontine Nono qui va venir nous introduire chacun. Donc, je te mets là. Amen. Que Dieu soit béni. Excusez-moi. Oui, c'est vrai, c'est un moment important pour nos bien-aimés. Après tant de difficultés pour certains, tant de combats, tant d'adversités, comme a dit le pasteur, ils ont persévéré. Et c'est vraiment un couronnement. Nous sommes honorés, nous sommes vraiment bénis pour tout ce que vous avez accompli jusque-là. Tout ce que vous allez continuer de faire dans cette église pour le Seigneur, tout ce que le Seigneur a mis dans vos cœurs, les rêves, comme a dit le pasteur tout à l'heure dans son message, je sais que chacun de nous, nous avons un rêve. Et l'objectif, c'est d'accomplir ce rêve, que ce rêve soit accompli, mais ça ne peut pas s'accomplir sans vous. Donc, aujourd'hui, c'est un départ pour vous, pour une nouvelle vie aussi. Vous avez déjà commencé la vie chrétienne. Vous avez terminé vos enseignements et vous allez recevoir vos certificats. Mais dites que les choses commencent aussi. C'est à vous d'écrire derrière ce certificat les œuvres que vous allez accomplir après
la remise de ces certificats. Donc tout est maintenant dans votre camp. Le Seigneur est avec vous. Continuez de persévérer et vous allez arriver là où le Seigneur veut vous voir. Que Dieu soit béni. Je vais commencer donc. Je vais appeler notre sœur Keren Komba Kilembe. Lombi, si elle est là. La sœur Grâce. Est-ce que le frère Ahmed Doula peut se préparer? Herman Mayala, s'il peut se lever. Notre frère Hervé Bisson. Ensuite, la sœur Esther Sarah L'Herbe. Et la sœur Jemima L'Herbe, si elle est là. Keren Mafuta, si elle est là. Est-ce que Keren Mafuta? Est-ce que la sœur Keren Mpunga est là? Ensuite, je vais demander à la sœur Keren Wamantua de se préparer. Ensuite, je vais demander à Kinambuidi Ante Emmanuel de se préparer. Je vais demander à la sœur La Joie Miyavanga. Ensuite, je vais demander à la sœur Laura Mafuta Kasesi. Si elle est là. Ensuite, le frère Michel Mougui Chaud, pardon.
Pedro m'a signalé son absence, mais je ne sais pas si elle est arrivée. Hilary Pedro. Ensuite, la sœur Micheline Mazambi. Ensuite, Milka Luamba Mutela. Est-ce que la sœur Milka est là? La sœur Naomi Mwamba. Ensuite, je vais demander à la sœur Naomi Malungana Ngoma de se préparer. La sœur Niclette Mbumba, est-ce qu'elle est là? Et Nicole Mavinga, si elle peut se préparer. Olga Kiabanguka, pardon, excusez-moi. Est-ce que Olga est là? Et Pascal Mbungu, s'il peut se préparer. Ensuite, le frère Pidjo Makuala. Ensuite, le frère Luca Kanoa. La sœur Pierrette Kalunga, est-ce qu'elle est? Il y a la sœur Rachel Matemba, on m'a signalé son absence. Je ne sais pas si elle est arrivée entre temps. Rachel Mukiri, si elle est là. Ensuite, j'ai la sœur Rebecca, mais elle m'a signalé qu'elle ne serait pas là. Rose Roussel, si elle peut se... Rose Roussel. Rose Ntesiria. Oh, pardon. Merci. Ensuite,
Ensuite, la sœur Sadriel Mbumba. Je vais demander à la sœur Sarah Kimpuni de se préparer. Shannon Aguiar, si elle peut se préparer. Cela le frère Steven Tuku. Ensuite, la sœur Tina Dioka. Ensuite, la sœur Sassa Sandra Pongi. La sœur Sarah de Bina. Et derrière, si le frère Thibaut de Bina peut aussi se préparer. Thank you.
Je vais demander à la sœur Adénike Pascaline. Ensuite, la sœur Aline Wawa. Sephora Manga Sassiel est là. Ensuite, la sœur Anaïs Aguillard, je crois, c'est comme ça, ça se lit. Angela Kassingera Aziza. Est-ce que la sœur Angela Aziza est là? Audrey Mbele Ekoli. De se préparer. Awaroli Mawili. Ensuite, la sœur Bénédicte Boitou et derrière son mari, Cédric Boitou. Benjamin Piangou Capella. Ensuite, la sœur Blandine Mbambo Machi. Matondo et son mari Gaëtan Matondo.
Ensuite, la sœur Chloé Wings. Je vais demander à la sœur Charlotte Liputu de se préparer. Corinne Loua, si elle est là. Ensuite, le couple Bijou et Tommy Musée. Sœur Abby Madikita et sa sœur Divine Madikita. Ensuite, la sœur Dorcas Zumbu.
Ephraim Kabenga peut se préparer. Ensuite, la sœur Esther Lombé, si elle peut se préparer. Ensuite, la sœur Esther Combé. Exaucé n'est pas là, hein? Katanga. Francina Mavungu, si elle peut se... Jemima Kindembu. Est-ce que la sœur Jemima est là? Non. Glody Papou. Glody Wasongo. Qui n'a pas été appelé. Si elle peut s'avancer, c'est nous. Est-ce que je... Peut-être qu'elle n'a pas... Seigneur. Je pense qu'on a fini. Est-ce qu'on peut se mettre tous debout, s'il vous plaît? Et prier pour tous les certifiés. Et avant cette prière, nous voulons aussi dire un grand merci à tous les formateurs et formatrices qui sont investis et qui se sont donnés corps et âme pour dispenser cette formation. Merci beaucoup. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Donc, nous bénissons Dieu pour votre sacrifice et que Dieu vous renouvelle. Ça fait plaisir de voir votre investissement pour essayer de dispenser ces vérités. Vous devez être heureux de vivre ces moments. Et merci aussi à tous les frères et sœurs qui travaillent dans ce département pour être dans le stand discipola pour vous, les inscriptions, et c'est formidable. Nous bénissons Dieu pour ça. Et la responsable, notre sœur Léontine Nono, nous bénissons Dieu pour son dévouement. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons maintenant tous ensemble prier pour tous ces bien-aimés frères et sœurs qui ont fini ces trois modules. Et le problème n'est pas seulement de finir, mais nous voulons que cela apporte un plus dans leur marche avec Dieu et qu'ils puissent être efficaces dans le service pour le Seigneur, et aussi qu'avec par leur témoignage, qu'un grand nombre puisse connaître Dieu. Père, nous venons dans le nom de Jésus recommander nos bien-aimés frères et sœurs qui en ces jours ont fini cette formation des discipolats. Tu nous as appelés à faire des disciples, pas des croyants, mais des disciples, de ceux qui sont prêts à s'engager pour toi, ceux qui sont prêts à vivre pour toi. Oui, de la même manière, tu as sacrifié ta vie pour nous, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour toi. Notre prière est que tu les gardes,
Notre prière est que tu le protèges. Notre prière est que, Seigneur mon Dieu, tu fasses des témoins de ta gloire cette année, des missionnaires pour les rafraîchissements, afin que partout où ils seront, Père, plus que de simples connaissances, que toutes ces vérités acquises, Seigneur, deviennent vie en eux dans le nom de Jésus et que le caractère de Christ soit vu dans leur vie et permet à ce que, Seigneur, qu'il y ait de l'impact dans le service pour toi. Nous les bénissons en ton nom et nous les recommandons à ta grâce et sous ta protection divine et que ta gloire se reflète dans leur vie de tous les jours. Au nom merveilleux de Jésus, bénis ces formateurs pour leur sacrifice, renouvelle-le, Seigneur, donne-le encore plus de motivation et de disponibilité pour dispenser ces enseignements. Et Seigneur, et avec beaucoup, Seigneur, d'application pour l'honneur et la gloire de ton nom, que tu sois béni à jamais, toi le véritable Sauveur, au nom merveilleux de Jésus, nous te bénissons, Père, et nous disons Amen. Gloire au Seigneur, nous sommes donc à la fin de notre culte et nous allons simplement, après la prière, demander à tous les certifiés de venir ici, je ne sais pas comment on va faire, pour faire une photo des groupes et après vous aurez libre, sûrement il y a quelque chose qui a été prévu et puis c'est bon. Et en même temps, nous voulons penser à notre frère Paul qui a perdu sa sœur à partir des États-Unis. Pensons à lui dans nos prières et si vous pouvez l'appeler, le frère Paul, il travaille à la sécurité, dehors souvent quand vous venez, vous le voyez. Et alors, que Dieu puisse le fortifier et le renouveler. Prions. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment passé ensemble. Merci pour ta parole. Et nous prions vraiment que tu te souviens de notre frère Paul encore une fois. Nous prions pour que tu apportes la consolation dans son cœur et que tu le soutiens dans cette épreuve, lui et toute sa famille, que tu te souviens de Seigneur. Et que tu te révèles aussi au travers de cette situation à toute la famille parmi ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci à toi, le Dieu qui permet toutes choses. Nous te prions de bénir le retour de chacun d'entre nous et que cela demeure sous ta protection divine. Merci de conduire chacun pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ainsi que la communion du Saint-Esprit demeure sur chacun d'entre nous. Allons en paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.